once again, je suis derrière vous. Il m'arrive encore des aventures rocambolesques. Mais j'arrive, je suis là. Attendez, ne quittez pas, le moniteur est à l'envers. C'est la vidéo dans tous les azimuts. De la part de Bibi, en jet lag, et de la part de Winston, de la famille. Ça fait pas très longtemps qu'on était là. And we are back. Pour cette vidéo polysémique, hétéroclite. Je sais pas comment je vais l'appeler, on débrief. On débrief des récents événements merveilleux. 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 Vraiment. Riche, varié, multiple, intense, mais vraiment. C'est pas parce que je prends un accent chelou que je pense pas ce que je dis. Au contraire. Là, je suis sur un petit nuage. J'ai vécu quelques jours, là. C'est vrai que tout s'enchaîne, hein. Mais quelques jours extraordinaires. Donc, dans cette vidéo, les filles et les garçons, je viens vous faire le récit dans le mieux de mes capacités de notre dîner au Mirazur. C'était une expérience inoubliable, à bien des égards. Je vais tâcher de vous en partager la magie. Également, quelques emplettes auxquelles j'ai procédé dans la région mentonaise, sur la French Riviera des Femmes, de laquelle je suis éperdument tombée amoureuse. Bon, on va reparler dans un instant. Et également, des petites choses ça et là. Parce que si j'ai l'habitude, là où j'ai l'habitude de trouver des tonnes de colis à mes retours d'absence, de congé ou de travel, là c'était quelque chose. Donc on va y aller progressivement dans les Insta Stories. Mais là j'ai envie de vous partager ce que j'ai là immédiatement sous les yeux. Pour la plupart c'est ce que j'ai attrapé à Nice, à Menton. Mais également des emplettes desquelles je vous avais parlé avant mon départ dans cette vidéo et qui là sont arrivées. Je vous les avais, j'avais partagé leur acquisition dans ces vidéos, mais les colis n'étaient pas arrivés, ils sont désormais arrivés. Également dans cette vidéo qui va revêtir un énorme volet olfactif étonnamment. Parce que là, même là, je préfère vous dire, je suis là, je suis expanouie au niveau olfactif. J'ai reçu un cadeau extraordinaire. Et évidemment, Bibi Monk et Bibi Maïté dans cette vidéo. Donc, je commence par le commencement, le restaurant Le Mirazur. Ben, Le Mirazur. C'est-à-dire que là, si vous voulez, ne quittez pas. Ceci contenait un gâteau que j'ai évidemment dégusté il y a très longtemps, mais on nous a remis le petit cadeau. D'accord. C'était une expérience extraordinaire. Donc je préfère vous dire une chose et le regarder. Tout est à même le sol, donc vous allez beaucoup me voir me pencher. Je ne sais pas quoi faire, donc c'est très heureux. On a d'abord été accueillis. Bon, évidemment, c'est le voiturier. Généralement, c'est un restaurant étoilé, j'arrive plus. What? Étoilé, donc de très grand standing. Et généralement, en fait, c'est pas généralement, c'est immanquablement, c'est un voiturier qui accueille donc les convives. Donc là, c'était le voiturier qui était tout à fait sympa. Il a été notre première impression du resto, en fait, en tous les cas du staff. Et elle était magique, cette première impression. C'était un monsieur qui était vraiment formidable. Donc, monsieur, probablement, vous n'êtes ni au tenant ni aux aboutissants du YouTube game. Mais si par extraordinaire, vous voyez ceci, big up. Vous avez pour beaucoup contribué à l'émerveillement tout du long. D'accord. Donc, nous, on arrive avec le carrosse de Moyanou. Moyanou, je te fais un gros bisou. Vraiment, j'étais heureuse de partager ce moment avec toi et avec Maëva. Maëva d'amour, qui, là, Yann était un local. En fait, il est de mon cru. Mais il est expatrié à Nice. What? Il est passé de la West Coast à la East Coast. Et c'était très formidable.
Mais il est du cru, en fait, il est du coin, il n'est pas du cru, il est du coin. Mais Eva, en revanche, a voyagé depuis la région parisienne en voiture avec son mari d'amour pour venir dîner à notre compagnie au Mirazur. C'était un bonheur. Donc, ma sista, si tu vois ceci, je te fais des grands bisous. Elle était d'une beauté, elle était incroyable. Déjà, Eva, au départ, elle est belle, mais là, elle était incroyable. Elle était au max et tout, on était au max. Donc, vous êtes nombreuses à avoir exprimé des regrets et des complaintes de ne pas m'avoir vu vous partager un outfit of the day. C'était une tenue que vous aviez déjà. Pour revenir à ce montant, le cadre est exceptionnel. Ben, le cadre est exceptionnel. Le cadre est vraiment exceptionnel, c'est exceptionnel. Il est, j'allais dire, à flanc de falaise, presque. La vue, c'est la mer. La mer. C'est merveilleux. Il y a le restaurant, il est sur plusieurs étages. Quand on est arrivé, dans ma compréhension, les cuisines venaient d'être refaites. Donc, il y a une espèce de. C'est Moïse, où on peut passer comme ça, mais en fait, les cuisines salées sont d'un côté et la cuisine sucrée est de l'autre côté. Et on les voit à l'œuvre, tous. Toute la brigade de cuisine, ils sont nombreux. Ils étaient tous super. Ils devaient se dire, mais what about? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils étaient super sympas. Je connais pas les titres de chacun, mais genre le boss de la cuisine était super sympa. Il a pris du temps en plein service, avec une salle pleine. Il a pris le temps de nous accueillir et tout. C'était un accueil extraordinaire. C'est vrai que moi, je suis une dégalingosse de la botanique. La présence, en fait, je vais le dire autrement, les plantes sont omniprésentes au Mirazur. Omniprésentes. Et tout près des commodités, il y a un énorme alocasia, King of Onions, qui souffre un petit peu d'ailleurs d'être contrarié dans sa pousse et sa croissance et sa majesté par l'escalier qu'il touche. Mais c'est merveilleux. La botanique est très présente à l'intérieur, à l'extérieur du Mirazur, là où il y a une terrasse. En bas, il y a une espèce de jardin. C'était extraordinaire. Ils ont pris le temps de nous faire le tour, le staff. Donc les lieux, le staff. Bah, le staff, c'est une équipe. Franchement, bravo au chef Cola Gréco, que j'ai eu la chance de croiser très brièvement lors de notre dîner. Il revenait d'un endroit de Londres. Où il nous préparait quelque chose de spectaculaire. Et il s'en allait tantôt ailleurs, mais je suis absolument heureuse d'avoir eu la chance de le croiser 2 minutes, de lui dire merci. Et pour moi et pour mes 2 abonnés là-haut, on était en train de vivre un rêve, quoi. Et il était ravi de me voir émerveillée. Moi, j'étais très émerveillée et tout. Et moi, vous le savez, je n'ai pas un tabou, je n'essaie pas d'être là. Oui, c'est normal. Non, c'est pas du tout normal. C'est tout à fait anormal, mais c'est tout à fait merveilleux, fabuleux. Il a vu ça, je pense. Et donc, ça lui a fait chaud au cœur, je pense. Et donc, voilà, j'étais ravie de le croiser. Et alors, donc, le staff. Bah, le staff. Toute une armée. Si je ne m'amuse, je crois me rappeler que le jeune Gwen nous indiquait qu'ils étaient 85 membres du staff pour une capacité maximale de 45 convives, 45 couverts. 85 membres du staff. De la sommelière, ils étaient tous extraordinaires. Ils étaient tous extraordinaires, ils étaient très réceptifs à notre humour. C'était génial. Ils ont là, eux également, contribué de la magie de ce moment, vraiment. Et enfin, last but certainly not least, l'assiette. Donc, c'est le menu mystère au Mirazur. Ce n'est pas une carte sur laquelle je choisis l'entrecôte. Non, c'est le menu mystère du chef. En 50 milliards d'étapes. En quantité raisonnable à chaque fois.
et j'ai tâché de vous partager le maximum de ce que j'ai pu. Là encore, vous m'avez fait le procès. J'ai oublié de vous partager le dessert, mais j'étais trop époustouflise. Vers la fin du repas, on était trop époustouflise. Et je savais que ça touchait à sa fin. Mais je vous jure, c'était un many, many courses. Ce qui fait qu'à la fin, on était conviés à 19h30, 19h45. On est parti de là-bas, il était minuit. Je suis sérieuse. Donc, ce sont les univers Mirazur. Donc, il y a les univers fleurs, les univers et les choses, etc. En fonction des saisons. Ils obéissent très strictement à la saisonnalité des choses, d'accord ? Donc, nous, on n'a pas eu le temps et on n'a pas pris la peine d'eux, mais il est possible de visiter les jardins du restaurant Mirazur. Ce incluant le potager, duquel viennent des tonnes de produits qu'ils préparent. Ils ont leur propre miel. Ils ont leur propre chose. Mais non, on n'y a pas été. Mais j'espère un jour avoir le bonheur de visiter tout ça. À la condition de prévenir le staff suffisamment tôt, il est possible de faire le tour, en réalité. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément. Ça, c'est le détail de ce que nous avons eu la chance de déguster au restaurant de Mirazur, Univers Mirazur. Une expérience pour explorer les échanges entre le ciel et la terre. D'accord. L'observation de la nature et l'étude de l'influence de la lune et des planètes sur les plantes dans nos jardins nous inspire pour vous offrir un parcours sensoriel particulier. Et c'est vraiment un parcours sensoriel. Parce que entre évidemment le visuel, tout est très beau, hein, c'est l'excellence. Le visuel, déjà l'ingéniosité, l'imagination, la créativité qui est derrière chaque mets. Le visuel était très spectaculaire. En réalité, c'est efficace, mais en sobriété. C'est pas du show-off. Tu sais, quand on voit des fois le show-off, oui, il y a de la... Non, là, c'est presque simple, minimaliste, mais excellemment abouti. Je sais pas comment le... Le visuel, l'olfactif, le gustatif et le sensoriel, les textures... C'était folle. Il y avait beaucoup de produits de la mer, évidemment. C'était très fort. Hein. J'ai dit, ah, mais moi, et il m'a dit, ah, j'ai dit, non, she's a cook. Je vais pas être trop fort, d'accord. Mais j'ai dit, non, c'était une tortilla de graines de chia. Une tortilla qui était constituée de graines de chia. Avec un carpaccio de je sais plus quelle chose. La boutargue finement ciselée. Les associations de saveurs et les associations de textures en bouche, c'était merveilleux. Moi, je l'ai déjà dit. Bon, déjà, je suis une épicurienne. J'aime cuisiner, mais j'aime manger. J'aime manger sans discrimination. J'aime manger. Les choses les plus simples, j'aime manger. Mais j'ai la chance d'avoir fréquenté de très belles tables, honnêtement, dans le monde entier. Là, c'était unique. Là, c'était vraiment très différent. C'était un univers, en fait, le Mirazur. C'est pas un restaurant. C'est pas juste un restaurant. C'est un univers. Alors, je vous passe, évidemment, les choses auxquelles moi, vous me savez, extrêmement sensible. La verrerie. La vaisselle, de manière générale. Mais la verrerie. J'ai pris les screenshots et tout. Après, je suis allée voir le prix des choses. J'ai dit, ah, c'est pas les lents de Nicky Newman. Mais c'était merveilleux. D'accord. C'était merveilleux du début à la fin. C'était merveilleux. On avait ce poème là qui nous attendait à table. Alors attendez, ne quittez pas à genoux. Parce que là, je vous parle du Mirazur, je suis émue. Je vous jure, c'est vrai, je suis émue. Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Non, ne quittez pas à genoux. Un poème de Pablo Neruda. Donc, on dit que dans la vie, qui est un grand, grand poète argentino, vous savez que Chef Colagreco est argentin. Mais vous savez que, je sais ce que j'étais en train de commencer à vous raconter, quand j'ai vu ça, ça m'a fait une montée de... C'est pour ça que j'étais vraiment très, très émue. Je dis, mais j'ai un cil qui va se décoller, ça peut pas être autrement. Entre les émotions et les éclats de rire et tout, j'ai vraiment craint que mes cils ne se décollent. Après, va vous dire une chose, on peut parler des choses sans tabou. Quand j'ai vu Pablo Neruda, Nas, si par extraordinaire tu regardes ceci, ça m'a fait penser à toi direct. Pablo Neruda, ma Nas. Donc un poème de Pablo Neruda. Pain de farine, d'eau et de feu, tu te fais.
épais et léger, tassé et rond, tu répètes le ventre de ta mère. Que tu es simple et profond, action d'homme, miracle répété, volonté de la vie, la terre, la beauté, l'amour, tout cela a goût de peine. Tout est né pour être partagé, pour être donné, pour se multiplier. Et alors la vie aussi aura forme de peine. Elle sera simple et profonde, innombrable et pure. Pablo Neruda. Donc le poème en lui-même, il est magnifique. Mais la raison pour laquelle il était sur la table était aussi magnifique. Et sur le plan affectif et sur le plan symbolique. C'est-à-dire qu'on nous a servi un pain qui est évidemment préparé sur place. Et qui avait une particularité dans la recette, je ne sais plus, il y avait un ingrédient, est-ce qu'il contenait de l'huile d'olive ou je sais. En tous les cas, c'était un pain qui était comme, vous savez, les couronnes, il était circulaire comme ça, et comme si c'était des boules en fait, de pâte qui étaient voisines les unes des autres, de manière à pouvoir les rompre et les partager simplement. Ça fait sens? Si je trouve une photo, je vous la mets là, mais j'en doute. Et alors, le pain, il était très beau, il était très formidable. Et moi, vous savez que je suis she loves Hobbs, Hobbs is life. Je n'en suis jamais cachée, le pain, c'est la vie. Quand j'étais quito, le truc qui manquait absolument, c'est le pain. Moi, je suis française et maghrébine. Donc, entre la baguette tradition d'Afanri et le Hobbs de chez nous, moi, j'aime le pain, je ne discrimine pas les pains, j'aime tous les pains. J'adore le Hobbs. Le Hobbs, c'est la life. Moi, j'aime le Hobbs tout seul, comme ça. Sans tabou. Tout seul. Ah ouais, vraiment, je sauce tout. Bon. Donc là, c'était un pain qui avait il était très aéré, comme ça, on aurait dit presque un pain brioché, mais pas exactement. Et évidemment, on l'a dégusté avec les huiles d'olive phénoménales. Moi, c'est vraiment parce que la valise avec la compagnie aérienne. Mais déjà, j'avais dépassé et tout, parce que vous allez le voir, j'ai acheté des choses. Mais je voulais, la prochaine fois que j'y retourne, parce que je vous prie de croire que je vais y retourner... Là, je compte. Je regarde le planning. C'est pas que je compte les jours, mais je regarde le planning dès que je peux, j'y vais. Je vous jure. Je vous jure. Là, je suis tombée amoureuse, mais on va en parler dans un instant. En plus, je suis tombée amoureuse. Ah, bah. Bon. Les huiles d'olive. La prochaine fois, je prends de l'huile d'olive. La prochaine fois, je vais tâcher vraiment d'y aller avec quasiment rien dans ma valise. De manière à pouvoir faire des bêtises là-bas. Des emplettes. L'huile d'olive. Et alors, le jeune homme qui nous accompagnait, qui nous expliquait chaque plat et tout, nous explique qu'en fait, c'est la grand-mère du chef Colagrico, de laquelle il m'avait déjà parlé quand on s'était rencontrés lors de notre atelier Kitchen Detox, que son plat préféré, c'était les gnocchis de sa grand-mère. Parce que le chef Colagrico, il est argentin, mais il y a de l'italien en lui. Et il me semble que sa grand-maman est italienne, était italienne. Et donc, il nous expliquait, le jeune homme, que la mamie, donc la grand-mère, la nonna, quand elle recevait toute sa famille, c'est tous les bambini et les bambini des bambini, pour les faire patienter, qui viennent manger, pour les faire patienter avant que le repas ne soit prêt, elle leur faisait comme ça le pain pour tremper dans l'huile d'olive, pour patienter. Et donc, c'est ça qui nous a été offert. Et qui accompagnait donc le poème de Pablo Neruda, qui là revêt maintenant une signification particulière, un sens particulier, si vous le rewind ce que je viens de le lire. Et ça, moi, ça a suffi à m'éclater. Moi, il en faut peu. Il en faut peu pour m'éclater. Quand c'est pur et c'est une vague d'amour comme ça, ça m'attrape. Là, ça m'a attrapé, c'était efficace tout de suite. J'ai dit, ah oui, oh là là, et je l'imagine, cette femme. Tu vois? Ça, c'était merveilleux. Ensuite, bon, ben voilà, la farandole des plats, on nous les explique lorsqu'ils arrivent. Ils étaient très, très disponibles pour nous expliquer les choses. Ils prenaient le temps de nous expliquer, de répondre à nos questions, de rire à nos blagues, nombreuses. Et c'était très formidable. Donc j'ai tâché le mieux que j'ai pu, ce qui me suit sur Instagram. Je pense que je vais en faire un highlight permanent, pas permanent, mais qui va être disponible pendant quelques temps. Chaque plat, c'était de la magie. C'était de la magie. C'était de la magie. C'était de la magie. Et franchement, c'est copieux. C'est copieux. C'est copieux. C'est très copieux. Parce que moi, j'aime bien manger et tout, mais pendant 2 jours, j'étais comme ça. Parce que je voulais rien louper et tout. C'était très merveilleux.
de notre arrivée à notre départ, tout était absolument parfait. Mon seul regret, si j'ai un regret, mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu du temps pour passer avec ma sister. Parce que le Yanou, c'est très particulier. C'était la première fois qu'on se rencontrait physiquement. Mais en fait, et à l'aéroport, c'était, les gens se sont dit, mais moi j'ai l'habitude que les gens me prennent pour une folle. Mais là, c'était intense. Ah, et tout. C'est comme si on se connaissait depuis toujours avec Yanou. Et je parle sous son contrôle également, il vous dira la même chose. C'était là, c'est mon séjour sans lui et son mari, Fred, donc, je te fais des bisous. Ça aurait été complètement différent. Là, c'était quelques jours très formidables. Donc, ouais, le Mirazur, j'espère avoir la chance d'y retourner. J'espère avoir la chance d'y retourner. Mais il y a également d'autres établissements du chef Colas Gréco que j'ai très envie de visiter. En tout premier lieu, Seto, dont je ne savais rien. Dont jamais personne ne m'avait parlé. Pas même lui. Il est ouchop et humble, donc il est vraiment ouchop. Il m'avait pas parlé de Sito, il m'avait pas parlé non plus de Mitron. Moi je suis là, je zone dans les rues de Menton. J'ai adoré Menton. Je peux pas vous dire une chose, parce que moi je suis une nana franche. C'est pas un jugement hâtif. Mais moi qui suis un animal du sud-ouest, tu vois, c'est l'Occitanie, c'est le rugby, c'est l'authenticité, c'est la terre, c'est le bétail, c'est le terroir, c'est le rugby, c'est la solidarité, c'est la simplicité, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est le... Je suis née là, j'ai grandi là. Le sud-ouest. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette image, et je l'ai occasionnellement vérifiée, mais à des endroits où qui ont contribué de fausser mon jugement, Saint-Tropez, Cannes. C'est tout ce que je déteste. Le show-off, le fake, le m'as-tu vu, l'antithèse de moi, en fait. D'accord ? Et c'est vrai que j'avais quand même cette idée du sud-est. Mais là, j'ai vraiment redécouvert la Côte d'Azur. J'ai vraiment redécouvert la Côte d'Azur. Et vraiment, le fait d'être resté quelques jours, je suis restée strictement. Je résidais, j'avais loué un appartement, à Menton. J'étais même pas à Nice, qui est une grande ville. J'étais à Menton, qui est une petite ville. Je sais pas si ça qualifie de village ou de petite ville, je ne sais pas. Mais je suis restée là toute la durée de mon séjour. Je suis tombée amoureuse de Menton. Je suis tombée amoureuse de Menton et des Mentonnés. Je suis tombée amoureuse d'eux, ils m'ont très très bien accueillie. Je sais pas si c'est dû au fait que quand je parle, j'ai l'accent du sud, je ne sais pas. Mais ils m'ont vraiment traitée comme l'une des leurs. L'une des leurs. Ça c'était très formidable. Et également, je le savais parce que je suis pas extrêmement douée en géographie, mais je suis quand même consciente que l'Italie est juste là. D'accord, ça je suis consciente. Mais là, je ne me doutais pas en fait de la présence massive des Italiens à Menton. Hein. Particulièrement, et c'est ce que je vous ai dit dans mes stories, pour tout ce qui relève des métiers de bouche. Tant et si bien qu'ils ne parlent même pas français, les mecs. Ils parlent à peine français. Moi j'ai dit, ah là là, molto bene. J'étais au max. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la France. Et puis c'est vrai que les lieux, bon, ben là, Antibes, excuse me, je vous ai embarqué, vous avez vu Antibes. Et là, il y a un restaurant que j'ai découvert là-bas. Je vous le recommande, je vais laisser les revues parce que là, depuis que je suis rentrée, je suis repartie, je suis en train de zoner, de zoner, je prépare encore de nouveaux zonages, il y a des trucs énormes qui arrivent. Là, on est le tout début du mois d'octobre. Cette semaine-là, je rencontre... une personne extraordinaire, que je sais être extraordinaire, parce que je l'ai y rencontrée à des tonnes de reprises, mais là je vais la rencontrer physiquement in the flesh. Et c'est une grande dame pour laquelle j'ai un respect infini, et que j'ai toujours rêvé de me faire un papotage, et là on va se papoter. Donc voilà, tout ça pour vous dire, et encore il y a des aventures qui arrivent et tout, vous savez qu'il y a eu des aventures avant mon départ.
Il y a des choses qui se profilent. Donc là, je suis en plein de zonage. Mais ces quelques jours à Menton ont été vraiment une parenthèse magique. Donc il y avait ce restaurant là. C'est Moyenou qui m'a dit oui, tu vas voir à Menton, parce qu'il vient me récupérer à l'aéroport de Nice. Il m'a dit ah ben à Menton, tu vois, il y a un restaurant qui est formidable et tout. Un Italien. Et pour le coup, ce sont des Italiens et c'est une famille. C'est-à-dire que nous avons chef Andrea, qui est un monsieur donc, qui est en cuisine, ensemble avec toute sa brigade, mais c'est le chef. Lucia, qui est donc sa sœur, qui est une belle femme sicilienne. Ce sont des Siciliennes, tous ces gens-là. Une belle femme. Elle est magnifique. J'avais vu des belles femmes en Italie. Hein. Mais c'est une belle femme. Je lui ai dit. Moi, vous savez que j'aime complimenter. Moi, la sororité, c'est pas une blague. Chez moi, c'est réel. Vous êtes réellement des sistases. Je lui ai dit de bella donna. Elle était toute et tout. Elle m'a dit merci et tout. Très belle femme. Ensuite, ils sont quatre frères et sœurs. Un autre de leurs frères qui est Salvatore, qui était beau, un bel homme. Un bel homme. Mais un bel homme. Un bel homme. Là, je lui ai pas dit vous êtes beau, mais je crois que ça se voyait que je le trouvais beau. Et il était sympa et tout. Ils sont très chaleureux. C'est pas un cliché, c'est réel. C'est réel. Du coup, comme c'était juste à côté de là où je résidais, c'est devenu ma cantoche. Ma cantine, c'était la trattoria. Parce que du coup, je vous ai pas dit le nom, c'est la trattoria. Je vous mets le détail dans la barre d'infos. Ils ont un Instagram que je vous mets là à l'écran. Il faut que je fasse les revues. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de dire, parce que comme j'arrête pas de courir par mon éparo, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Il faut pas que j'oublie de laisser une revue. Parce que autant j'ai laissé une revue chez l'autre goujat là, de Vafan à Ventimille. Et je l'ai faite dans la journée, la revue là, pour le coup, il m'a insulté. Et il s'est montré extrêmement agressif, très présent physiquement, très vulgaire, etc. Mais dans d'autres circonstances, je l'aurais traîné devant un tribunal. Mais là, un Italien en Italie, j'ai laissé tomber. Je lui ai dit ce que j'avais à dire moi également. Mais c'est vrai qu'il faut que j'aille remplir cette revue de la trattoria parce que, je vous dis la vérité, et là je viens de vous restituer mon expérience du Mirazur. J'ai rarement aussi bien mangé qu'à la trattoria. Parce que du coup, comme j'y suis allée plusieurs fois, j'ai un petit peu pas fait le tour de la carte, mais j'ai un petit peu fait les choses. Vous avez vu mes plats sur Instagram. Les linguinés au homard, j'ai dit pardon, ils ont l'aquarium. Ils les pêchent, ils les cuisinent. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est frais. Franchement, c'est succulent. Ça suffit pas de dire que c'est bon. C'est au-delà de très très bon. C'est au-delà d'excellent. C'est succulent. Tout est parfaitement cuisiné. Les lieux sont beaux. Ça fait pas la déco, ça fait pas resto italien, ça fait restaurant français de luxe. Les prix sont très raisonnables. C'est un restaurant italien, hein, c'est un restaurant italien. Les lieux sont très beaux. Le staff est très efficace. C'est une équipe qui est très formidable. Ils sont pour la plupart italiens également. Les petites qui étaient bien mignonnes et tout. La clientèle est internationale, il y avait des Asiatiques. Et moi, je vous l'ai toujours dit, c'est une indication. Tous les endroits dans le monde où je l'ai vérifié. Quand vous voyez les Asiatiques quelque part, ça veut dire que vous êtes dans un endroit de qualité. Parce qu'eux, ils ne sont pas là au petit bonheur à la chance à rentrer comme ça inopinément dans un restaurant. Non, ça fait partie de leur circuit. Ils viennent de je ne sais pas quel pays d'Asie. Ils ont leur circuit, ils savent où ils vont. Avant d'arriver, ils savent où ils vont. D'accord ? Donc, ils étaient là. Ils étaient en extase, en train de manger. Je les voyais vraiment, ils kiffaient, quoi. C'est très bon. Donc, évidemment, vous m'avez vu, les linguinés à la vongolée. Moi, c'est mon plat préféré. C'est un de mes plats préférés au monde, quand c'est vraiment bien cuisiné et tout. Ben là, c'était les meilleurs que j'ai mangés de toute ma vie. Ils offrent le choix entre les pâtes fraîches et les pâtes sèches. Moi, comme j'aime une pâte al dente,
Je prends les pâtes sèches et elles sont cuites exactement comme je les aime. Le poisson entier, il te le nettoie, mais il te le présente d'abord tel qu'il sort du four avec le tiramisu de la life. Il s'appelle tiramisu grande sur la carte, il est vraiment grande. Que moi, j'ai pas pu le finir. Moi, Gargantua, ils m'ont fait le doggy bag et tout, mais j'étais la voisine. D'accord. Ils font le doggy bag pour tout le monde. Mais moi, j'ai dit ça, vous se dérange, parce que je pouvais pas jeter. Le lendemain, je les ai mangées, les pâtes, elles étaient magiques. C'était génial. Donc, la trattoria à Menton, franchement, même si vous êtes sur Nice ou je sais pas quoi, les villes aux alentours, ça vaut le coup d'aller à Menton pour ce restaurant. Je vous jure. J'ai payé à chaque fois que j'y suis allée, c'est pas du sponsoria. What? C'est pas du sponsoring, ni même quoi. Ils savent pas que je fais les réseaux sociaux et tout, j'étais juste une cliente. Mais alors, c'était très formidable. Très formidable. Donc la trattoria, ça a beaucoup contribué de l'émerveillement de mon séjour. Également, je commence à voir que ça commence. Au début, quand je suis arrivée, j'ai dit, mais moi, j'y suis allée avec du cachemire et tout. Je vous jure. Je suis arrivée, j'ai dit, ah d'accord. J'étais morte de chaud et tout. Il a fait super beau, mais à un moment donné, j'ai vu qu'il. Je suis restée une semaine là-bas, 6 jours. Je vois que ça commence à se courir. Je discute avec les commerçants et tout. Ils me disent, non, chez nous, il pleut rarement. Hein. Il a plu pendant 2 jours. J'ai siesté pendant 2 jours. Je pourrais vous dire une chose, mais après. J'avais des emails, j'avais du taf et tout. Mais j'ai siesté ma life. C'était super. La sieste, c'est la vie. Je vous l'avais dit que j'allais siester. Je l'ai fait. Oh, c'est super la sieste. C'est vraiment super. Ah, oh, j'ai dit là, c'est la dolce vita. C'était génial. J'ai passé quelques jours de rêve. De rêve. J'ai hâte d'y retourner, je vous jure. Et je veux le voir aussi en hiver. Parce que là, on n'était pas. Je pense que c'est la fin de la saison et tout. On n'était pas inondé de touristes, mais il y avait quand même des touristes. Des Américains, il y avait beaucoup d'Allemands, des Anglais, il y avait des Asiatiques. Mais j'ai très envie de le faire en hiver. Mais je suis persuadée qu'il y aura également des touristes, mais j'ai très envie de le faire en hiver. La fête du citron, c'est au mois de mars, je crois comprendre, j'ai envie d'y aller. J'ai consommé le citron mentonné. Très bon, il a une saveur unique. Moi, vous le savez, c'est mon odeur préférée au monde. Là, j'étais au paradis, Paradise. C'était génial. Donc voilà, c'est ça mon expérience. Après, on a été à Zorné, vous avez vu à Monaco les choses et tout. C'était très formidable. Très formidable. Mais vraiment, Menton, les gens, c'était super. Et il se passe des trucs, il faut être préparé psychologiquement. Il se passe des trucs. Oh là là, c'était trop formidable. Donc voilà pour mon expérience mentonnaise, le Mirazur. Voilà, c'est les univers donc de janvier à mars, ce sont les racines. D'avril à juin, ce sont les feuilles. D'août à octobre, ce sont les fleurs, c'est ce qu'on a eu. Et on a dégusté des fleurs comestibles et tout, c'était extraordinaire. Et de novembre à janvier ou décembre, ce sont les fruits. Chaque détail, les sanitaires, le savon dans les sanitaires, tout était étudié, tout était parfait. C'était une grande précision, ben, ce sont les grandes maisons. Là, c'est 3 étoiles, hein, c'est la perfection. La perfection, en tout, d'accord ? Partout, voilà. Donc, c'était très fort maintenant, d'accord ? Alors, pendant que j'étais là-bas, c'est vrai que j'ai fait un peu de shopping, mais tu n'y en laisses, d'accord ? Dans un premier temps, et là encore, je vous l'avais partagé sur Instagram. Signorini Tartufi, le spécialiste de la truffe, que j'avais eu la chance d'attraper en petit format à l'aéroport. Je suis tombée éperdument amoureuse de ces condiments à base de truffe. Il y en a un, c'est truffe et sel, il y en a un, c'est truffe et piment, il y en a un, c'est truffe et pecorino, le fromage. Et alors, tu rends n'importe quel plat excellent, parce que c'est vraiment bien parfumé et tout. Donc là, je me suis attrapée les king size. Et alors, le monsieur qui s'appelle Benoît à la boutique Signorini Tartufi de Menton était un amour. Il m'a fait les dégustations, il m'a offert des chips à la truffe, il était trop sympa. Maintenant, il me fait l'Instagram et tout. Donc, condiments en poudre à base d'ail, piment et truffe d'été. Ail, piment et truffe d'été.
très formidable, c'est la maman bouteille. Son frère, condiment en poudre à base de pecorino et truffes d'été. Ça sur la pasta. Tomax. Et leur frère, et le troisième et dernier, condiment en poudre à base de sel et truffes d'été. Ça, franchement, si vous les croisez à l'aéroport ou si vous les croisez je sais pas où, ils ont quand même, ils ont pas mal de boutiques. Il m'a dit 54 boutiques en... Je sais pas si c'était dans le monde ou si c'était en France. Je pense que c'était dans le monde. Mais ça, c'est formidable. Très formidable. Ensuite, j'ai acheté chez eux des strangozzi, qui sont des espèces de linguinées fines. Parce que moi, ma pâte préférée, c'est la linguine. Des pâtes à la truffe. Parce que c'est vrai que ça, c'est une vie qui est intolérable. 9 minutes temps de cuisson. Vous avez toutes les variétés de pâtes. Et enfin, je me suis attrapé un miel. Miel d'acacia. Et truffe d'été. Donc il y a de la truffe à l'intérieur. Et Benoît m'a fait goûter. Ah, j'ai dit non, mais là il va me falloir le pot. J'ai acheté le pot. Donc il m'a expliqué qu'il le, ça, il le dégustait même sur du yaourt. Avec le fromage. Sur les choses. Ouais, j'ai dit oui. Moi je vais le manger même comme ça. Miel d'acacia. Et truffe d'été. D'accord. Ouais, c'est très formidable. Summer truffle. Ça, c'était très formidable. What else? Ah oui, ça, c'était pour le compte fidélité. Il m'a créé un compte fidélité. Ils sont 28 rue Saint-Michel à Menton. Menton, c'est très mignon. Il y a des petites ruelles bien mignonnes. Il y a de quoi faire du shopping en plus, hein, j'ai vu. Hein. Il y a le marché couvert auquel je vous ai embarqué, où j'ai découvert la seconde boulangerie Mitron. Donc vous êtes nombreuses à m'avoir dit, oui, mais Sabrina, ce que tu nous présentes là avec les oignons et les anchois, c'est la pissaladière. Ben eux, ils l'appellent focaccia. Moi, je ne vais pas contredire le chef Colarico. Ni le monsieur japonais qui est responsable de cette merveille. C'était une merveille. Les fameux melons là, c'était une merveille. La tarte au citron, c'était une merveille. Tout était merveilleux. Le cookie, il était un peu trop sucré, mais il était extraordinaire, extraordinaire. Le lingot aux agrumes, franchement, si vous allez à Menton, allez chez Mitron. Hein. Que ce soit la petite boutique Mitron. Ça appartient au chef Colarico, c'est une boulangerie-pâtisserie. Et il est partout, on le voit et tout. Et le café était bon, j'ai pris un espresso, j'étais en extase. Elle m'a dit, ça va madame? J'ai dit, oui, un moment, per favor. Per favore. Bon. Et le staff était aussi là, extraordinaire. Et enfin, le, comment ils appelaient ça? Le je sais plus quoi, mantonné. Oh là là, je vous avais partagé sur Instagram. C'était merveilleux. Allez-y, si vous êtes à Menton, allez absolument à la boulangerie, là. Le pain est bon, hein. C'est grave. C'est un grand... C'est un monsieur qui est japonais qui fait la boulange. Et c'est son épouse, qui est également japonaise, qui fait la pâtisse. C'est sont eux deux qui sont à l'élaboration de tout ce que distribue Mitron. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ben, généralement, quand les Japonais ils attrapent quelque chose, c'est les lèvres qui dépassent les lettres. Là, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Le Khobzi, il était exceptionnel. Quoi. Parce qu'on pouvait faire la dégustation. Moi, j'ai dégusté. Moi, j'ai tout dégusté là-bas. Donc, ça, c'était pour mes achats. C'est Signorini Tartuffi. Ensuite, vous m'avez vu là également. Si vous loupez l'Instagram, vous loupez. Hein. C'est vrai que j'ai acheté de la confiture. Maison Herbain. Alors eux c'est pareil, ils ont des prix, ils gagnent le concours de le chose, etc. Je voulais tout acheter, c'était grave, l'attente à 100, et là c'est pareil, il y avait les dégustations et tout, on peut les voir fabriquer les confitures et tout, leur poser des questions, c'était très formidable. Mais alors la figue, parce que moi c'est ma confiture préférée, c'est la confiture de figue, d'accord? J'ai mangé des figues là-bas qui n'étaient pas là pour les antennes, mais c'est vrai que je suis pas malheureuse... Parce que j'ai monsieur Romano qui a des figuiers. Ces figues à lui sont les meilleures figues que j'ai mangées de toute mon existence de 40 ans.
Mais la confiture de figues, c'est vrai que c'est ma confiture préférée. Et là-bas, ils ont de belles figues. Je voulais... Ils ont figues nature, c'est celle que j'ai prise. Ils ont figues aux amandes, figues noisettes, je sais plus quoi, figues à la fleur d'oranger, mais malheureusement, il n'y en avait plus. Parce qu'elle m'expliquait, c'est une fabrication artisanale, c'est très formidable et tout. Elle m'expliquait qu'il n'y avait pas de fleur d'oranger en ce moment, qu'il était impossible de trouver de la fleur d'oranger de belle qualité. Et donc, ils m'ont dit, nous, on ne sacrifie pas à la qualité. Il n'y en a pas, on n'en fait pas. Voilà. Donc, j'ai attrapé la figue. Ah non, c'est figue et amande. Ils se sont trompés. Elles se sont trompées. Eh bien, elles m'ont donné figue et amande. Et c'est pas grave, j'y retourne bientôt. J'attraperai la figue et la figue à la fleur d'oranger. Figue et amande. Maison Herbin, maître artisan. Et la boutique est merveilleuse. Ils en ont plusieurs, mais là, je suis allée à la principale, c'était très merveilleux. Alors, Waters. Ah ouais, ah ben là. Je suis là, je zole dans les rues. Il y avait cette Lady Gaga, une nana qui vendait des tabliers qu'elle peut broder avec les prénoms, les initiales, tout ce que vous voulez. Les tabliers, les serviettes de table, les maniques, tout les choses de l'univers de la cuisine. Et moi, j'ai vu les toques de chef. J'ai dit, tu sais pas, je veux faire un kiff. Au début, je voulais un modèle qui était écru, avec le petit liseré Birgiumbi. Et elle m'a dit non, j'en ai plus, mais par contre, j'ai la toque complètement Birgiumbi. Je dis, ben allez. En plus, je lui ai dit Birgiumbi, elle m'a dit oui, Birgiumbi, oui. J'ai fait la toque de famille. Donc, de ce qu'elle m'a expliqué, c'est taille unique, et la taille se règle à l'intérieur par des liens coulissants, des choses, je ne l'ai même pas du tout essayé. Je ne sais pas si vous parvenez à le lire, c'est indiqué Bibi Maïté. Et comme je ne suis pas coiffée. Je suis au job ou pas? J'ai pas un miroir. Je suis au job ou pas? Attends, pas du tout. Ne quittez pas. Ah, écoute, on est mal à bord de la santé. Ne quittez pas. Alors, c'est quoi? C'est ça qu'il faut tirer là? Ah ouais. Oh, écoute. Bibi Maïté, là on a level up. Et j'ai fait broder en or bronze. Je pouvais choisir la couleur du fil. Je voulais pas blanc sur le birbiondi, donc j'ai pris le bronze déformé. Bibi Maïté, ah bah là ça y est, j'ai le tablier du chef Colagrico. Et la toque de Bibi Maïté, je suis là, je suis parée là, je suis prête à l'attaque, c'est pas ouf. C'est pas trop cool. C'est trop cool. Oh, je suis trop contente. Mais blague à part, elle doit probablement en avoir marre qu'on lui dise, mais elle ressemblait vraiment beaucoup à Stéphanie Germanotta, c'est-à-dire Lady Gaga. Mais genre, elle lui ressemblait. Genre, si elle m'avait dit c'est ma soeur, je l'aurais cru. Mais genre, vraiment, elle lui ressemblait de ouf. Je pense que même professionnellement, elle devrait se rapprocher du staff de Lady Gaga. Je vous jure, à ce point-là. Tu sais, parce que les célébrités, ils aiment bien quand ils ont des look-alike. Pour faire croire qu'elle est là, alors qu'en fait, la vraie, elle est là. Tu sais, ils le font beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Et ils le font beaucoup. Mais c'était sa petite écharpe-là était vraiment mignonne. C'est pareil, si vous allez à Menton, allez la visiter. Bibi Maïté. Elle est donc chibie ensuite. Alors c'est vrai qu'on a été quand même au Galerie Lafayette du fameux Cap 3000. À Juan-les-Pins, c'est à Juan-les-Pins, je ne me rappelle plus. Et alors pour Kills, parce que mon masque, lui là, il est impossible de le trouver. Kills ne le stocke pas. Ils sont out of stock. Sephora n'a que le petit format. Le mot a été passé. Je suis pas la seule à le trouver phénoménal, ce produit. Et là, on arrive dans la saison froide. Là, c'est le moment où jamais. Attrapez-le. Hein. Attrapez-le. J'ai hâte d'avoir une OP, d'avoir un code promo à vous partager avec eux. Quand ce sera le moment, préparez-vous. C'est lui qu'il faut attraper. Hein. Quel que soit votre problème, quel que soit votre type de peau, quel que soit le besoin,
Il vous faut ce produit. Je rigole pas. Je rigole pas. Là, j'étais à la fin du pot. C'est mon sixième ou septième pot, je sais plus. Il y a que le tout premier qui m'a été offert par Kills. Les autres, c'est moi qui les achète. À la fin du pot, j'ai dit, oh là là, je vais l'acheter avant de tomber. J'en ai acheté trois. Bah, je préfère vous dire une chose. D'accord. Parce que je peux pas rester... je peux pas être out of stock de ce produit, d'accord. Et alors, tout ça pour vous dire que on était dans ce grand centre commercial qui est apparemment un des plus grands centres commerciaux au monde, que sais-je. C'était sympa, hein, c'était sympa. Mais alors, la dame de Kills et la Myriam du centre commercial, qui est donc celle qui m'a encaissé, parce que quand on est arrivé en fait avec Yannou, la dame de Kills, elle était en train de déjeuner. Elle n'était pas là. Après, elle a terminé la vente, si vous voulez. Elle nous a donné des échantillons, on a parlé des produits. Elle revenait d'un event Kills à New York, etc. Myriam, des Galeries Lafayette, Cap 3000, à cet endroit-là du sud-est, une perle. Elle était très formidable et mignonne. Une dame, hein, dans la quinca, une quinca. Formidable, mignonne, elle était mignonne, elle était mignonne. Alors je vous parfume, elle m'a parfumé et tout. Ben c'est vrai que j'ai plus ou moins craqué. J'ai craqué les filles et les garçons et je suis émue de vous confirmer ce que vous avez déjà observé par vous-même. Charlize Theron est de retour dans l'écurie Dior parce que ça faisait un moment qu'on la voyait plus. Je pense qu'il était question de négociation contractuelle, hein, ou plutôt, plus exactement, budgétaire. Allegedly. Bon. Elle est de retour pour la toute dernière nouveauté de la très très belle gamme J'adore chez Maison Dior. J'adore parfum d'eau, qui est ce produit. La bouteille est absolument magnifique, donc j'ai acheté le tout petit parce que c'était vraiment pour ma présence là-bas. Mais maintenant que je sais ce que c'est, je vais m'acheter la même bouteille, évidemment, déformée. Alors, le parfum d'eau, c'est une très très belle déclinaison. Si vous aimez J'adore, vous allez le reconnaître. C'est une très très belle déclinaison du J'adore, mais qui est également et dans le même temps une prouesse de technologie, parce que c'est un parfum sans alcool. I repeat, sans alcool. On peut se pchiter très généreusement en plein mois d'août et aller se balader sur la peau, directement sur la peau, et aller se balader au soleil. Il n'y a pas d'alcool. Parce que c'est vrai que j'ai jeté la boîte. J'adore au plus près des fleurs. Une formule innovante, exclusive Dior. Je veux bien te croire que c'est exclusif à Dior. Je pense que c'est une première mondiale. Préparez-vous, là, toute la concurrence va essayer de... C'est obligatoire. Sans alcool. Une formule innovante exclusive Dior sans alcool, au parfumage à la fois intense et naturel. Et c'est réellement ça. C'est à la fois intense, mais naturel. Un concentré d'eau et de fleurs. C'est parfum d'eau. Un concentré d'eau et de fleurs à vaporiser généreusement en nuages. Et moi, vous savez que je vaporise généreusement en nuages. Lashy. La bouteille est magnifique. Bah, vous savez que j'ai une petite étagère là-bas, exclusivement J'adore de Dior. Parce que à l'époque où j'avais la chance de collaborer avec la maison, je m'étais vu offrir de très très beaux flacons gravés de mon prénom. Là j'ai toute une étagère là, puis que j'ai complété entre temps. Enfin, depuis. Mais là, je veux la maman bouteille de ça. Parfum d'eau. En été, c'est ça qu'il faut porter. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des offres et des choses. Je me suis attrapé le déo déformé. Le déo déformé. Il y a un petit chien qui est pas content. Le déo, bah c'est vrai que le déo. Hein. Quand on ne veut pas dépareiller le parfum, notre senteur, ben mon parfum et mon déo ont la même identité. Et alors, elles m'ont offert le petit bracelet. C'est ça que j'adore. Dior. Hein, le petit quelque chose.
Et apparemment, c'est un bijou que je n'ai pas ouvert. Bijou de sac. Bijou de sac à parfumer. Hein? Offert par les parfums Christian Dior. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est probablement. Ah, c'est mignon! Ça fait très Riviera, French Riviera. Ah, ça, c'est très mignon. Tu sais, sur le sac en osier de l'été, là, pour aller chercher des tomates. Tu sais, à parfumer. Donc, je le parfume et il garde le parfum. C'est super, ça. Bijoux de sac à parfumer. C'est trop mignon. C'est Dior et tout, hein. Très fort, madame. Donc, ça, c'était très formidable. Et c'est vrai que, puisqu'on est. Ah oui, elle m'avait offert ça. Les dames des Galeries Lafayette, elles ont. Noyer Yannou d'échantillons chez Kills, il a des échantillons, je pense, pour une bonne année. Vraiment. Et elles m'ont offert également ceci, Lancaster Monaco. Et moi, vous savez que je raffole de ces sacs pour aller zoner, faire mon marché et toutes les choses, la fleuriste, les choses. Et c'est marqué Lancaster Monaco, donc je l'ai trouvé mignon. D'habitude, logiquement, je l'aurais offert à Yannou. Mais comme là, il y avait marqué Lancaster Monaco, j'ai dit non, je vais le garder pour zoner. Pour zoner. C'était très formidable. Très formidable. On a été reçus. On est resté 1 heure avec elle. On ne pouvait plus partir. C'était super. Ça, c'était pour ça. Ensuite, à Wackels. Donc, puisque je suis dans l'univers des senteurs, là, c'est l'univers des senteurs. C'est vrai qu'à l'aéroport. Et c'est vrai que mon vol avait été retardé. Donc déjà, j'ai mangé chez Marx. Vous vous souvenez, je vous ai partagé à l'aéroport de. Du coup, c'est l'aéroport de Nice. Il y avait le prêt-à-manger, Pret. Et il y avait quelque chose de je ne sais plus quoi, de Thierry Marx, chef Marx. Et puis comme mon vol était retardé, j'ai dit, ben, tu vas voir que je vais aller me sustenter un sandwich d'affamé. Je suis allée chez Marx. Waouh! Il y a son nom et c'est tout à fait justifié. D'accord? C'était extraordinaire. C'était des espèces de pain bagnat améliorés. Moi, j'ai pris thon. D'accord? Très formidable. Et après, j'ai zoné, c'est vrai que j'ai plus ou moins acheté du Chanel. Un chignon. Parce que c'était très cohérent. C'était très cohérent. Et je l'ai senti, j'ai dit, mais comment est-ce que je ne le connais pas déjà? Vous savez que chez Maison Chanel, en ce moment, en fait, depuis quelques années, déjà depuis sa sortie, je porte énormément Gabriel. Gabriel le classique, Gabriel l'essence, je les adore vraiment. Je cherche partout le vapeau de sac, là, je l'ai vu à l'aéroport, je ne l'ai pas acheté, et je regrette de ne pas l'avoir acheté parce qu'après, je l'ai retrouvé nulle part. Donc la prochaine fois que je prends un flight, je l'attraperai le vapeau de sac. J'adore le Gabriel, il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Mais vous savez qu'en tout dernier lieu, à la boutique Chanel du Spitalfields Market à Londres, j'ai eu la chance de découvrir par le menu détail et dans des conditions optimales les jus exclusifs de Maison Chanel. Et vous savez que j'ai acheté Boy, d'accord? Là, on voit beaucoup de communication sur le lion, lui là. Il me semble que je l'ai senti, mais qu'il était trop vanillé. Bref, tout ça pour revenir à Ranamantan, je suis tombée sur celui-là, à l'aéroport de Nice. Paris Riviera. Et moi, je me trouve physiquement sur la French Riviera. Donc, j'ai dit, tu sais pas, fais voir. Il m'a plu. J'ai attrapé le bébé et le lait. Le lait d'affamé. Il est magnifique. De la même manière, mais genre strictement de la même manière que Maison Dior a réellement encapsulé l'univers de la French Riviera, le jazz, les gants, les diamants, le velours, le luxe, les. Dans Eden Rock? Autant là, Monsieur Polge, Olivier donc, fils,
qui est dans la compréhension à la création de cette merveille, a réussi également ce miracle, mais selon les codes de Maison Chanel. C'est un jus qui est... Si on m'avait caché la marque, j'aurais dit c'est marrant, ça ressemble à un jus Chanel, ça. On reconnaît l'identité, il y a une pâte. Je ne suis pas en train de dire que tous les jus Chanel sont les mêmes, mais il y a une identité Chanel. Il y a une identité Chanel dans les jus, tous. D'accord ? Chanel Riviera. Tu vois, Casino, Grace Kelly, les voitures, cabriolets. Et le lait est très formidable. Déjà, là, je l'ai remis dans le flacon, mais je m'en suis servi deux douches depuis mon retour. Sur la peau, il est extrêmement agréable. Il laisse un... Ah, sur le pitch, je suis bien et tout. Mais c'est vrai que j'aime l'innovation du packaging. Vous savez que je suis très sensible à ça. C'est un twist. Je ne sais pas si vous avez vu là. Twist défamé. C'est comme ça que ça délivre le produit. C'est pas jour ou je ne sais pas quoi. Twist, Maison Chanel. D'accord ? Paris Riviera, lait pour le corps. Eau de l'Ocean. D'accord ? Et le dernier jus que j'ai acheté, là ça n'a rien à voir avec Chum Yonless. Je ne sais plus ce que j'avais acheté. Ah si, chez Sepho, j'ai acheté. Ah ouais, il vous le faut hein, par contre, lui-là. Parce que je le voyais beaucoup sur TikTok, j'ai dit what, je vais vous le montrer sur Instagram, vraiment suivez-moi sur Instagram, parce que là je vais vous présenter une belle astuce. Je suis en train de faire une gruge avec le make-up qui est très formidable et je veux vraiment vous la partager. Si comme moi vous êtes absolument désastré, what, de voir disparaître votre hâle estival et de vous voir petit à petit retomber dans les affres de la mine automnale et hivernale et palote, et Tristoun, moi je suis en train de faire une gruge déformée, très formellement. Mais donc suivez-moi sur Instagram. Mais alors, et je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Fenty Beauty, qu'on voit partout sur TikTok là. Le gloss chocolaté, chocolat, lui là. Les filles, attrapez-le. Il va y avoir, on va arriver à un moment donné où on ne pourra plus le trouver parce que le monde entier se jette dessus, je suis sérieuse. En plus là, il y a les 25% chez Sepho, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos là. Attrapez-le. Quand vous voyez la vidéo, est-ce qu'il est encore valable le code de 25% chez Sepho? Si c'est le cas, je vous le mets à côté des fois. Et donc, j'ai acheté chez Sephora et tout. J'ai eu l'échantillon déformé. Narciso Rodriguez. Le Narciso. Vous savez que moi, j'ai une histoire avec ce jus. Et j'aime quasiment, j'aime et je possède, j'ai la chance de posséder quasiment toutes les déclinaisons. Il y en a une ou deux que j'ai pas trop aimé. Mais alors, celle-là, je l'ai beaucoup aimé. Narciso Eau de Parfum Cristal. Elle a pu. Tant et si bien que je l'ai acheté. D'accord. Où est Stan? Il a plus de questions. C'est vrai qu'il y en a. Il a quand même plus ou moins de temps. Et voilà. Basiant. Oh, Basiant. Ne quittez pas. Ne quittez pas, je vais en prendre un autre. J'ai attrapé un de ses frères. Vous savez que j'ai la chance d'avoir. Certains de ses frères. Parce que Stan lui-même, aux dernières nouvelles, il coûtait $1 milliard. Bon. Donc, il est mignon, Narciso, cristal, c'est comme ça qu'il s'appelle quoi? Eau de parfum cristal, c'est lequel que j'ai pas aimé? Le poudré? C'est le poudré que j'ai pas aimé ou je l'ai aimé le poudré, je sais plus. Ben, la batterie a coupé, ça m'a laissé le temps d'aller récupérer les choses. L'originel c'est lui, le Narciso, que comme à l'accoutumée j'ai découvert à Dubaï, hein. Avant qu'il arrive, entre le moment où je l'ai découvert et le moment où il est arrivé en France, se sont écoulés, je crois, 4 ou 5 mois. Ensuite, il y a le Red. Là, je ne suis pas allée le chercher, mais il y a le Red qui est merveilleux, je l'ai, je l'adore. Ensuite, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. C'est ça le problème. D'accord. Ambré. Ambré ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas ma lunette. Eau de parfum ambré. C'est l'ambré. Alors c'est le poudré que je n'aime pas. Et là maintenant j'ai le cristal. C'est très formidable. Cristal, il est très formidable. C'est pareil, il y a l'identité du Narciso. Mais c'est une déclinaison. On le voit sous un nouveau jour.
Ça, c'est bien, avec les nages qui arrivent. J'aime un nouveau jus pour l'automne, l'arrivée des pulls et des manteaux. J'aime un nouveau jus comme ça. Il est très chic et très élégant. Là, il y a une espèce de cocktail. C'est une vie qui est insupportable dans le studio. Entre Maison Chanel, Maison Dior et Narciso Rodriguez, c'est une vie qui est insupportable. Très insupportable. Je me régale. Donc voici pour ceci. Ensuite, c'est vrai que bon, ben là, pour revenir aux choses de la vraie vie et son tabou, je le disais, c'est un écho direct à la dernière vidéo que je vous ai postée avant mon départ. J'ai enfin reçu le balai, parce que là, c'est Bibi Monk, le balai qui permet d'aller zoner sous le frigo, sous le canapé, derrière les choses et les choses. Parce que je l'ai vu sur TikTok et quand j'ai cliqué sur le lien de l'ananas, ça coûtait une fortune. J'ai dit, attends, je vais le trouver sur notre Amazon.fr et je l'ai trouvé, je crois, pour une vingtaine d'euros. Je suis très contente de l'avoir. Ça vient avec un demi-milliard, je l'ai pas, je viens à peine de le déballer, je m'en suis pas encore servi. Mais ça vient avec un demi-milliard de les Miu Miu de remplace. What? J'en perds mon français. Tu sais, les Miu Miu de remplacement, là? Il y en a encore une autre là-bas. Voilà le balai défamé. Donc, c'est tout bête, hein? Mais c'est nécessaire. Parce que moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit dans cette vidéo. Moi, je ne peux pas déplacer. J'ai un gros frigo américain. Je ne peux pas le déplacer. Ça ne m'intéresse pas de le déplacer. Je peux probablement le faire, mais ça ne m'intéresse pas tellement de le déplacer. En plus, il fait de la glace et de l'eau fraîche, donc il y a le truc de l'eau. J'ai pas envie d'aller bouger tout ça. Mais dans le même temps, moi, je suis certainement pas de ceux qui laissent un frigo à un endroit pendant 5 ans et qui ne nettoient rien de... Oh. Je suis là. Bon. Mais alors, je faisais avec le Swiffer, lui là, le Swiffer en balai. Mais le Swiffer en balai, c'est sec, il attrape la poussière. Mais il serpille pas. Là, je serpille avec ça. Je l'humidifie. Ben là, ça perd des mimices parce que ça n'a jamais servi. Mais ça, je l'humidifie. Je l'humidifie, je mets le produit. Hop, je fais le... pas bon. Je vais les passer une première fois à la machine parce qu'elles perdent des mimices. Elles n'ont pas perdu mimices? Si, un peu quand même. Je vais toutes les passer à la machine. Du coup, j'en ai une, deux, trois et quatre. Il y en a encore une autre. Le balai, sans tabou. Moi, je n'ai pas de tabou. Comment ça marche ce bazar? Voilà. Hop! C'est par où? Moi, c'est par où, hein? Bien sûr. C'est par où? On peut parler des vraies choses de la vraie vie ou pas? Ça, c'est indispensable. Donc, évidemment, le réfrigérateur. Mais surtout, moi, mon canapé est vraiment. Il est très lourd, très imposant et tout. Ça, c'est très. Et également, tu sais, parce que moi, des fois, je serpille le plafond. What? Oui. Voilà. Donc là, plutôt que d'aller chercher l'escabeau, je reste là, j'ai mon chaud max. Et what else? Ouais, ça, je vais vous le partager sur Insta. Parce que c'est vrai que là, quand je passe un coup de gueule, quand je pousse un coup de gueule, il est 100% du temps justifié et tout. Mais j'avais vraiment poussé un coup de gueule par rapport à l'Oberon. Tu sais, l'Oberon? Vraiment, suivez-moi sur Instagram, je vais vous le montrer par le menu détail. Parce que j'adore ce qu'ils font. Il y a bien des choses qui correspondent à mon style. J'adore. Vous savez, j'ai énormément de leurs pièces à la maison. Le problème, quel est-il? Déjà, les prix ne sont pas donnés, les discounts sont très rares. Quand ils existent, ils ne sont pas applicables sur ce que généralement moi j'ai en vue. Mais le problème principal qui en a entraîné un subséquent, c'est que les délais de livraison étaient, parce que du coup il faut le compter au passé, parce que Dieu bénisse ce temps est révolu, étaient insupportablement longs. J'ai attendu quasiment un an pour mes paniers à linge. Eux là, Nora ils s'appellent je pense. Je vais vous les remontrer sur Instagram parce que du coup je vais vous faire une story complète l'Oberon. Parce que je suis très admirative de ce qui vient de se produire, figurez-vous. Parce qu'il faut être honnête dans le positif et dans le négatif. J'ai été très honnête dans le négatif, je me dois d'être honnête dans le positif. Je travaille pas avec eux, ils savent pas, je paye mes trucs et tout.
Mais j'avais poussé un coup de gueule sur les réseaux par rapport au délai de livraison qui était intolérant. Mais alors, c'était un mal dans un mal, parce que quand j'appelais le service client, on me parlait comme du poisson pourri au téléphone. Il y avait même une des préposées. Moi, je ne suis pas de ceux qui insultent ou qui manquent de respect. J'essaie de rester la plus calme possible, d'expliquer les choses, etc. Elle m'avait mal parlé, de manière très familière, très grossière, très irrespectueuse. Et en plus, elle avait eu le toupet de me raccrocher au nez. Ça m'avait choquée. Choquée. J'avais envisagé une lettre. En fait, c'est une tête. La tête, elle est allemande. C'est une société allemande, en fait. J'avais envisagé même de l'Allemagne et tout. Et après, j'ai dit, mon énergie, dans le passé, probablement que je l'aurais fait. Probablement que ça aurait porté ses fruits. Mais ce vindicatif, je ne l'ai plus. Tu vois, c'est comme le monsieur de Vintimille. Je sais que si je me dresse contre lui, je l'avale. Ça prendra le temps et l'énergie et les moyens, mais je l'avale. Mais maintenant, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup dans ma vie? Et la réponse est non. Donc la dame de Lebon, j'avais lâché l'affaire et tout. Ensuite, j'avais continué à acheter des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à attraper sur Amazon, mais pas tout, d'accord? Donc c'est les petites choses, on arrive à les attraper sur Amazon. Je vous donne vraiment rendez-vous sur mon Instagram, parce qu'en dernier lieu, le maître, lui là, qui est absolument sublime, vous êtes des milliards à l'avoir acheté, hein. Il coûte très peu cher, il est beau. Tout le monde me dit, ah, tu te le rachèteras. J'ai dit, non, je ne le rachèterai pas. Il n'existe plus, tu le laisses. C'est pareil, mais tu m'y en laisses. Moi, je me fais dépouiller si je ne mets pas des limites. Bon. Je rigole, mais à peine. Bon. Pour abonner à ma part. Donc, il y a des choses, on est obligé de passer par le website. D'accord. Donc, c'était des délais de livraison, etc. Là, encore en dernier lieu, le porte-parapluie, lui, là. Vraiment, suivez-moi sur Instagram, je vais vous faire un récap maintenant qu'on peut commander. Il y a quelques... juste avant que je parte, quelques semaines, ou je sais plus, j'ai reçu une lettre de... parce que du coup, je suis dans leur fichier client, je commande chez eux, je commande sur Amazon, mais je commande chez eux la boutique. C'est pas en Allemagne, pour le coup, c'est leboron.fr. Mais je veux dire, la tête est allemande. Mais là, c'est une société qui est en France, quelque part en France. Et là, le monsieur... qui est le big boss, en fait, le propriétaire de l'Oberon, qui est un docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous montrer sa lettre sur Instagram, docteur quelque chose, et qui nous explique... Ah oui, non, parce qu'en dernier lieu, la dame, elle m'avait dit... Je lui dis, mais vous comprenez que c'est systématique. C'est systématique, le retard dans vos colis. Oui, mais alors le coronavirus... Alors maintenant, c'était devenu le coronavirus, tu vois. Alors qu'ils ont le même comportement bien avant les événements sanitaires, d'accord. Et donc là, il nous a fait une lettre, le monsieur, où il s'excuse pour les délais, il explique que, voilà, je vous le montrerai par le menu détail. Et donc, ils nous ont offert un discount. J'en ai profité des fois, c'était un beau discount. J'ai attrapé, j'ai acheté le champ. Je les ai déjà, mais déjà, c'est comme ça que j'ai commencé avec l'Oberon. C'est eux que j'ai attrapé en premier lieu. Après sont arrivées les bonbonnières. Ensuite, l'horloge que j'ai sur mon Vanity. Et puis maintenant, j'ai du Lebon partout dans la maison, d'accord? Mais c'est vrai que j'avais commencé par les couverts. Et alors, de deux choses, la première, il m'en faut plus que 6 de chaque. Parce que quand je reçois, pas quand je reçois, mais il m'arrive de compter une dizaine de convives autour de la table. She's the cook. Donc il m'en fallait plus que 6. Et en plus, je vous le dis très honnêtement, le premier set que je possède, je ne l'ai pas entretenu correctement. Je les ai entretenus comme si c'était des fourchettes... de chez Ikea, en fait. Il leur faut un soin particulier. Donc, je me suis racheté les couverts. Je sais plus... Oh là là, quand ils sont neufs, c'est pas la même chose. Hein. Ils étaient vraiment comme ça quand je les ai eus au début. Je crois qu'ils s'appellent Elite ou... Je sais plus comment ils s'appellent. Elitras. Mais là, il n'y a pas la facture bien formée. Ou alors, je l'ai déjà jeté. Mais je me suis racheté les couverts. Parce qu'ils ne sont pas donnés. Et là, ils nous ont offert 15 euros, je crois que c'était 15 euros de réduction. J'en ai profité. Je crois que c'est pas les mêmes. Je vous jure, je suis en train de me faire une frayeur. Je crois que c'est pas les mêmes. Si? Est-ce qu'ils étaient comme ça les mêmes au tout début? Je vous jure, je suis en train de me faire une frayeur là. Ça, c'est magnifique, hein. Mais je suis pas absolument certaine que ce soit mes couverts. Mais en tous les cas, il sera toujours temps de les échanger ou que sais-je. Mais en tous les cas, j'ai trouvé que c'était très honnête, que c'était courageux.
que c'était très honnête, que c'était très professionnel et que c'était très généreux de leur part. Voilà. Donc je vous en repartagerai le détail sur Instagram. Mais pour revenir à l'avant-temps, cinq dernières choses, what? J'ai reçu cet ouvrage. Donc vous savez que moi j'ai la chance de recevoir régulièrement des ouvrages des éditions Larousse, des éditions Thierry Soucard, des éditions... Là j'ai quelque chose des éditions Vérone, une Judith Petit Frère qui écrit un bouquin qui s'appelle Style et élégance. Et je viens de recevoir ça. Style et élégance. Caroline, une jeune et talentueuse styliste, est comblée de joie lorsqu'elle apprend que son oncle Sergueï accepte de devenir son fournisseur et de l'aider à réaliser son rêve. Sa première boutique de prêt-à-porter ouvrira donc ses portes dans la magnifique ville de Milan. Lorsqu'elle rencontre Isabelle, l'épouse de Sergueï, également styliste, leur entente est immédiate et les conduit à découvrir d'autres femmes aussi brillantes les unes que les autres. Entre ses responsabilités à Milan et ses fréquents séjours à Paris pour rendre visite à un nouvel ami, la vie de Caroline est loin d'être de tout repos. Parviendra-t-elle à faire la part des choses? C'est la question. Donc voilà, un petit bouquet. Ensuite, je vais plus vite. C'était le mois de Shiseido chez Look Fantastique. Donc le mois dernier, j'ai loupé l'événement, je n'étais pas là. Et donc j'ai eu la chance de recevoir le Vital Perfection Sérum Éclat Contour Défini. Lift, contour et éclat. Donc moi, les plus fidèles d'entre vous le savent. Le skincare Shiseido, ils sont pas là pour l'inventer. Shiseido, c'est l'excellence japonaise dans la cosmétique asiatique. Ce sont les maîtres des maîtres. Ce sont des produits qui ne sont pas donnés, mais qui le valent vraiment, surtout quand on est dans l'anti-âge. C'est extraordinaire. Et l'anti-tache et le solaire. Mais l'anti-âge, ils sont très performants. Et ça vient de Look Fantastique, le discount est applicable. Dieu bénisse. Et enfin, Chili, ensuite très rapidement, deux dernières choses. Dans un premier temps, je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ben là, je pense qu'on touche du bois et on reste calme. Mais ça se précipite un peu là, les événements. D'accord? Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut la voir. Winter is coming. Littéralement. Donc, en sus de la tabona et les choses, je me suis acheté racheté parce que je le possédais déjà. Mais je l'ai donné, j'ai racheté exactement le même. Un chargeur solaire. Ben solaire. Donc déjà mobile, mais solaire. D'accord? On n'est jamais trop près. Et enfin, le dernier truc, et c'est vrai que là, c'est plus ou moins une révolution dans notre vie, les filles et les garçons. Parce qu'il va être question de remplacer l'anis derrière vous. Parce que j'ai eu la chance, et on est, je crois, 5 en France, dans la France entière, à posséder cet objet qui est extrêmement collector. C'est une édition extrêmement limitée d'Alexa. Alexa. Donc, voici le pamphlet. Voyage en terre du milieu. D'accord, à l'occasion de la sortie de la série originale Prime Video, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. D'accord, je n'ai pas encore vu. Amazon, en ce moment, je trouve plus de films et de séries sur Amazon Prime que sur Netflix. Ça vous le fait aussi ou pas? Amazon a le plaisir de vous offrir une édition plus que, entre parenthèses, limitée, plus que limitée. Il y a un astérisque. N'est pas disponible à la vente. Ah ben tu vois, on peut même pas l'acheter. Alexa classique, on peut l'acheter. Mais celle-là, on peut pas l'acheter. Waouh, c'est très VIP. A le plaisir de vous offrir une édition plus que limitée de l'enceinte connectée éco-équipée d'Alexa. Plongez dans l'univers épique de la série Les Anneaux de Pouvoir avec Alexa. Un petit coup de pouce pour réviser l'origine du mythe. Pas de problème, Alexa est là. Demandez simplement, Alexa, qu'est-ce que les anneaux de pouvoir? Ben, j'ai Alexa. J'ai Alexa. Ce qui veut dire que je vais me défaire de la miss qui est derrière vous. Ok, Google, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous, quoi de neuf? Ben, ok Google, justement, il y a de la nouveauté, je pense qu'il est temps de te remplacer.
Bavarder avec vous, c'est toujours un plaisir renouvelé. Ok Google, que penses-tu d'Alexa? Alexa et moi, on fait le même job. Ça serait sympa qu'un jour on se croise à la machine à café pour papoter. Vous allez vous croiser à la machine à café, ma grande. Je l'ai entre les pattes. Alexa et moi, on fait le même job. Ils sont pas fous chez Google. Vous l'avez vu sur TikTok, cette dame qui est une quinca sexa américaine, qui est très alcoolisée, qui est en train de boire du vin, et qui dit « Alexa, je vois Tupac !» Et en fait, Alexa, elle ne comprend pas ce qu'elle dit là-bas parce qu'elle n'arrive pas à articuler. Si je la trouve, je vous la mets là. Alexa, stop, you're embarrassing me. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, play Ambitions as a Rider by Tupac. I've been drawing... Mais bref, pour revenir à un amateur, voici Alexa. The Lord of the Rings. Mais The Lord of the Rings. Très limité, on ne peut pas l'acheter. On est 5 en France à l'avoir, vous vous rendez compte? Mazint. J'espère que c'est pas un truc qui est super compliqué à installer et tout. Ah, mazint. Ah, it's a fail. Ah ouais! Je vais l'ouvrir sur Instagram, il faut que vous voyez ça. Ah ouais, non, là c'est. Ah ouais, d'accord. Là c'est vraiment The Lord of the Rings. D'accord. Oh ouais, non, mais ça, tu vas voir qu'il faut l'application et tout. Donc je m'en occuperai plus tard, mais je suis très, très chanceuse. Je mesure ma chance. On est très très peu, je l'ai dit, à l'avoir. Dans le monde entier. Ah, j'allais oublier! Deux dernières choses. C'est pareil. C'est parce qu'en fait là je dois vous retrouver sur Instagram, donc j'essaie de me presser un peu. J'ai perdu le mich. Je vous l'avais annoncé dans la August Fashion qui vous était parvenue de manière quelque peu prématurée. Parce qu'il y avait les magnifiques French Days sur la redoute. J'espère de tout cœur que vous en avez profité. Ils étaient redoutables cette année. Donc vous le savez, j'en avais profité pour acheter Augustinus Bader qui est distribué chez la redoute. Donc ça vient des Galeries Lafayette, mais c'est chez La Redoute, avec le prix La Redoute, que j'ai pu en profiter. Ça va? Donc c'est vrai que là, l'essence, je suis très émue de les avoir entre les mains. Depuis le jour où j'ai découvert elle, c'est-à-dire la crème Rich, je suis tombée éperdument amoureuse de cette gamme, et Augustinus Bader n'en finit plus d'innover. C'est-à-dire que là, la gamme s'enrichit de manière extrêmement intéressante. Il y a toute une gamme capillaire, mais restez tout près. Dimanche prochain, je vais vous partager le bon plan des familles sur le capillaire. Une belle marque de laquelle on a l'habitude, qui est très généreuse sur le discount pour les backups de famille. Restez tout près, semaine prochaine. D'accord. Moi, physiquement, je ne serai pas là, mais le bon plan, il sera là, vous inquiétez pas. Donc, la nouveauté capillaire, shampoing après shampoing, les choses. Des compléments alimentaires. Moi, j'ai envie de tout chez eux. Donc, The Rich Cream, que j'ai la chance de connaître. Mais là, j'ai désormais l'essence. Ben, l'essence. L'essence. Essence, clore tes visages. Je n'ai pas la chance de posséder encore le sérum. Ils nous ont même sorti là récemment un sérum lâche, le sérum pour les cils. Sérum de croissance. Donc je n'ai pas la chance de posséder ni le sérum, ni la croissance du cil et du sourcil. Mais en revanche, j'ai l'huile pour le visage. Vous connaissez mon amour éternel et absolu pour les huiles. Ben là, c'est grave. Voilà. Donc, sans le bon plan, cet achat il aurait été impossible. C'est très onéreux, c'est très cali. Honnêtement, quand on me dit la marque, la Rich Cream chez Augustinus Bader, elle est unique au monde. Je connais les monstres du luxe dont on a l'habitude, je connais les monstres de la cosmétique asiatique.
Il y a des tonnes de crèmes. La Magic Cream chez Charlotte Tilbury, elle est phénoménale, d'accord? Mais il y a aucun équivalent. Il y a aucun équivalent que je ne connaisse. J'en connais beaucoup, je connais pas tout. Mais j'en connais beaucoup. Il y a aucun équivalent que je connaisse qui soit comparable, même de loin, à la Rich Cream, donc elle, de Augustinus Bader. Vraiment, c'est pas pour les enfants. Donc voici pour cet achat que j'avais fait donc avant de partir, mais que je n'ai reçu qu'après mon retour. Et la dernière chose, oui, je me suis attrapé un sac de voyage. Parce que c'est vrai que je veux plus prendre le trolley. Tu sais, le trolley? Parce qu'il arrive des tonnes de fois où le trolley, ils le mettent quand même en soute. Et quelquefois, j'ai dit, je vais attraper un sac de voyage. Donc vous le savez, j'avais la chance de posséder un très très beau sac de voyage de chez Longchamp, mais malheureusement, il était en toile. Et le zip me lâchait à chaque fois. Je le faisais réparer. J'en ai eu marre, je l'ai jeté. Honnêtement, je regrette un peu de l'avoir jeté. Parce que, en fait, on me l'avait offert et c'est une fois que je l'avais jeté que j'avais compris son prix. Mais il était vraiment très abîmé. Il a zoné avant que je ne le jette. Je l'ai gardé plus d'une décennie. Mais là, je me suis attrapé un sac de voyage en cuir sur Amazon. Il est magnifique. Donc, je l'ai remis dans son emballage pour vous le montrer. Et je ne m'en suis pas encore servi, mais il est magnifique. Sur Amazon, ces derniers temps, entre eux, là, les pulls en cachemire extraordinaires dont je vous reparle très bientôt, et les choses, on trouve de très très belles pièces. Voici le sac en question. Et c'est du très beau cuir. Il a été livré avec remise, contre-signature, c'était tout un bazar. Il coûtait un peu cher. Et voici le sac. Il est magnifique. C'est exactement ce que je voulais, un sac plutôt masculin. L'intérieur est sublime, pied de poule marron, je ne sais pas comment vous le voyez là, magnifique. Il est trop beau, très beau cuir. Full grain leather, handcrafted. Donc c'est un sac fait à la main, etc. Ça donne ceci. Il est magnifique. Là, je suis très très contente de cet achat. Tu sais, pour jeter deux Zulup, un t-shirt, un pull, une paire de tennis, c'est par où maintenant? Ah oui. C'est ça. The Spirit. J'adore. Je suis très contente. Très très bon. Oh là là, Mazienta. Oui, non, il est super. Très fort, madame. Donc voilà tout. Je pense vraiment que c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. En tous les cas, c'est bien suffisant, riche en émotions. Je suis ravie d'être de retour. Je l'ai dit, je repars tantôt. Mais restez tout près. Septembre était intense. Là, octobre va l'être tout autant, si ce n'est encore davantage. Les mois, tous les mois, jusqu'à la fin de l'année, là, ça va être intense. Il va y avoir de très très belles choses. Donc, pour ce qui est du devenir de nous, c'est en cours. Pour l'instant, je suis là. Je suis encore en train de vous embêter, de zanner, de zanner. On zone encore ensemble. Pour l'instant, rien ne change réellement. En fait, c'est en train de changer méchamment coulisses. Mais pour l'heure, je suis là tous les dimanches. Je vous retrouve avec bonheur, avec des tonnes de bons plans également qui arrivent voilà, dans les mois à venir. Ça va faire une belle respiration pour tout le monde. En parlant de bons plans, remplissez vos paniers Amazon. Je vous en reparle tantôt. Chut. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous donne une énorme bise. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Pas mal de dire autre chose. Ça me manque, même quand je ne vous parle pas, ça me manque. Et vous êtes nombreux à me dire que ça vraiment on te voit plus et tout. Ça fait du bien un peu de s'éloigner du téléphone. C'est mal de le dire. Je le dis. Ça fait du bien. Moi ça me fait du bien. Je vis le moment en fait. Plutôt que d'être là collé sur mon téléphone. Mais j'essaie quand même, je vous ai quand même partagé les choses. Donc je vous laisse pour de vrai. Je vous embrasse une dernière fois. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve tout vite pour les choses et les choses. Et oui, je vous mets le détail dans la barre d'infos. Mais normalement, vous le connaissez. Allez, tu es bien. Bye. Oh, Mazin. Oh,